حبيبي يا حبيبي اللي له سما ونجومه قمره L'exposition Diva invite à découvrir l'âge d'or de la musique et du cinéma arabe. Nous avons aussi une première section qui est consacrée aux pionnières qui ont joué un rôle très important dans l'évolution de l'ensemble des disciplines artistiques dans le Caire des années 1920, au moment où le Caire est véritablement le centre artistique et intellectuel du monde arabe. Ensuite, on a une deuxième partie qui est vraiment consacrée à quatre grandes chanteuses, quatre grandes divas de la chanson arabe, Oum Kalsoum, Asmaan, Fayrouz et Warda. Ce sont surtout des personnages charismatiques, des bêtes de scène, hein, qui sont capables de mener la foule jusqu'à l'extase musicale, en arabe le tarab. Donc ce sont des femmes voilà, qui ont une personnalité très forte et qui ont eu une aura absolument pan-arabe, hein, qui ont été adulées par l'ensemble du monde arabe. Oum Kalsoum a un espace entier qui lui est dédié dans l'exposition et on retrace sa vie à travers à la fois des photographies, des robes, des reconstitutions de ses robes, des bijoux et une interview. Il faut savoir que aussi elle raconte une histoire du monde arabe très intéressante. C'est une petite paysanne née dans le delta du Nil qui va se hisser au plus haut de la société égyptienne et qui va donc révolutionner la musique arabe, puisque avec elle on passe d'un orchestre de quatre instruments à un orchestre enrichi avec des violons, des violoncelles. Elle va aussi incarner le panarabisme avec Nasser, donc elle va avoir un rôle politique immense. Et c'est justement parce qu'elle a cet impact sur la société, ce rôle politique et artistique, qu'elle est la plus grande chanteuse. Elle va inaugurer Radio Le Caire et elle va être entendue tous les premiers jeudis du mois de Damas à Casablanca. C'est-à-dire que le monde arabe va se tourner autour de ce poste de radio pour écouter Oum Kalsoum. Parce qu'on voit dans les films égyptiens, les comédies musicales dans cette époque de l'âge d'or du cinéma égyptien, on voit qu'il y avait une certaine liberté hein, du corps de la femme. On les voit un peu dénudées, on les voit assez libres de leur corps, on les voit aussi s'embrasser. Donc il y a une certaine forme de liberté, c'est sûr, mais qui concernait une certaine partie de la société. Donc voilà, il faut nuancer le propos. À la fois, elles étaient très libres, mais aussi il y avait une certaine image de l'Égypte qu'on voulait véhiculer à travers ça. Et c'est vrai que les artistes contemporains se sont beaucoup inspirés aussi de la manière dont toutes se sont émancipées de la société patriarcale, hein, que ce soit les chanteuses, les actrices, pour vivre leurs rêves, hein, pour avoir justement pour aboutir dans leur carrière. Et c'est ce qu'on montre aussi dans l'exposition. Donc elles ont eu voilà, cet héritage très important aujourd'hui.